proportion des patients sont plus élevées que la normale des examens médicaux complémentaires leur sont proposés. Dans un rayon de 50 km autour de la centrale, des milliers de Japonais viennent aussi contrôler leur taux de radioactivité. Des dizaines de centres médicaux d'urgence ont été installés. Mais les médecins, comme les autorités, restent discrets. Parmi toutes ces personnes, combien ont un taux de radioactivité supérieur à la normale? Très peu d'informations sont communiquées sur ce point. Plus loin dans la capitale, à 250 km de Fukushima, les Tokyoïtes commencent aussi à s'inquiéter. Certains sortent dans la rue équipés d'un masque, un chapeau et des vêtements longs pour protéger leur peau. Des consignes de précaution données à la télévision qui suivent à la lettre. Direction sud-est du Japon à présent, la ville d'Osaka, où de plus en plus d'habitants du nord de l'île de Honshu ont décidé de se replier pour échapper aux conséquences éventuelles d'un nuage radioactif. On trouve des envoyés spéciaux du FM TV sur place, Alexandre Fabrice, c'est Adrien Jeanne. Il y a, c'est indéniable, un sentiment de drame national. Chacun, ici à Osaka, connaît un proche, un ami qui est concerné, qui a été concerné par le séisme, le tsunami ou la menace nucléaire encore aujourd'hui. Pour autant, on ne se sent pas directement menacé. Osaka, la ville où nous nous trouvons, est à 800 km des zones les plus directement touchées. La donne donc, malgré tout, un certain sentiment de confort, de sécurité, l'impression d'être épargné au moins pour le moment. Écoutez ce témoignage reçu tout à l'heure dans les vidéos d'enquête à ce sujet avec Alexandre Paris. Le problème, c'est quand même que les réponses se déplacent vers l'ouest. Donc même à Osaka, on peut se sentir en danger, mais c'est toujours mieux qu'à Tokyo, par exemple. C'est la raison pour laquelle, là, je me sens plutôt en sécurité. Malgré quelques petites perturbations au niveau des transports, rien de particulier signalé à Osaka. Les magasins, par exemple, sont approvisionnés normalement. Pas d'opération de stockage de grande ampleur de la part des habitants. Donc, en dehors des zones plus touchées, la vie continue presque normalement dans le reste du Japon. Et puis, 5 jours après le tombé des séismes, les secours sont toujours à pied d'œuvre. Il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver les survivants, d'autant que les mauvaises conditions météo dans le nord-est. Et neige complique les recherches et l'approvisionnement des sinistrés. Ils sont près de 500 000 nageurs, etc. Le gouvernement français lui conseille aux expatriés de quitter Tokyo. Il demande aussi à Air France de mobiliser des avions supplémentaires afin de permettre aux 2000 Français encore au Japon de quitter le pays s'ils le souhaitent. Deux premiers Français de retour du Japon sont arrivés sur la place en mars. Le résultat, c'est 185 personnes à bord, dont une cinquantaine d'enfants, une trentaine de bébés, une dizaine de femmes enceintes. Donc vous voyez, c'est un certain nombre de nos compatriotes que nous avons aidés à rentrer. Ça nous a paru